suis Pamela Visconti, déléguée territoriale de l'association AFEB sur Valencia. L'AFEB, c'est une association nationale qui lutte pour réduire les inégalités et notamment pour la réussite éducative des enfants et des ados. Et en fait, pour cela, on mobilise tous les années des lycéens, des étudiants bénévoles et des volontaires en service civique pour nous aider à mettre en place nos actions. Accompagné par la chargée de mission Julie Noël concernant un dossier autour du mentorat, autour de l'éducation. Et en fait, on fait régulièrement des points tout au long de l'année pour voir quelles sont les difficultés et comment elle peut m'aider à surmonter ces difficultés. Et on a beaucoup autour de la jeunesse, ce sujet de l'égalité en femmes et un problème des notions de pouvoir chez les jeunes. Et donc Julie Noël m'a conseillé de peut-être ajouter dans les dossiers une action spécifique pour pouvoir surmonter toutes ces problématiques. L'égalité en femmes, ce n'est pas le sujet principal de l'association AFEB. Okay, c'est la réussite éducative. Donc on identifie qu'il y a un problème, mais on n'a pas le personnel, on n'a pas le temps pour pouvoir former quelqu'un et vraiment pouvoir apporter de l'aide. En fait, chez nous, c'est la jeunesse qui accompagne la jeunesse, ça porte une parole très importante et ce sujet est bien incontournable. Donc grâce à cette aide financière, on pourra recruter des étudiants vacataires qui vont être formés pour accompagner des collégiens, des lycéens et aussi les mentors qui vont chez les familles. Parce que la FEV lutte contre les inégalités, notamment l'égalité en femmes, et il y a des valeurs que forcément des fois les étudiantes, ils ont une notion différente par rapport aux valeurs. Donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse transmettre tous la même définition d'égalité en femmes.